peut se présenter là. Ce n'est pas simplement une situation de sécurité. Il y a à vivre une situation d'anarchie. Côté que le pays a, il va y administrer les gouvernements. Insécurité qui a commencé depuis, je l'ai déjà dit, l'année 2021, 2020, parce que le Grand Sud l'a bloqué. Ariel a pris le pouvoir le 20 juillet, environ un mois et demi après. Et un an après, le Grand Sud est toujours bloqué. Et géographique de Rio, il est étalé sous peut-être 60% dans la zone métropolitaine. Ça veut dire, libre en Malabé, libre en Croix-des-Missions, libre en Cité-Soleil, libre en Croix-des-Bouquets, libre en Pernier, et là-bas, libre en Tabar, et là-bas, passer sous les frères. Et dans mi-temps, ville là, côté que ce qu'a dit Bandi au bas présent, qu'il n'a plus fait de valeur. Donc ça veut dire que vous passez d'une situation de sécurité à une situation d'anarchie. Et le pire, pendant que nous sortons dans le Grand Sud, nous passons dans toute cette ville-là, nous avons dépeigné, le Grand Nord, il est menacé pour fermer le monde. Ça veut dire, depuis environ 2-3 semaines, régulièrement et quotidiennement, au niveau du Canada, il y a saisi le camion. Hein? Monsieur Audi est obligé de payer pour que le marchandise soit passé, il a gardé pour les 105 mètres. Et, si vous regardez bien, l'opération policière, il n'y a pas fait dans la zone où il y a des problèmes, il y a fait sur route là. Et comment monsieur a opéré, il a sorti bien dans le monde, il a descendu. Quand il descend, vous avez débarré, il a tiré, la police vient, monsieur a remonté tranquillement. Et puis, on a d'abord, pour chaque camion, il a fait. Donc, ça veut dire que le jour que monsieur Sayo, il a fait pour tout camion, il a fait des problèmes dans le monde, il y a assez de capacité, eh bien, il va bloquer. Et là, il a bloqué. Et bon Canada, et côté moi, le Malais, le Grand Nord a bloqué. Est-ce que tu as cette situation comme ça? Non. C'est pour être ça. Au niveau de même, nous appuyons. Et ceci fortement. Mouvement de grève qu'a fait Saint-Marc. Mouvement également de manifestation qu'a fait demain, 14 juillet, lancé par l'association des commerçants. Pour nous dire, nous ne pouvons pas faire ça. Pour nous dire, tout le monde levé, campé. Et ceci, il va le suivre dans toute la team de nous là. Et nous encourager pour le faire et dans les département Saint et dans les département Nord. Parce que si Canal est bloqué, Zone Mibale a bloqué, et bien le Sahara, quand on est isolé, et comme l'autre côté, on a une infrastructure pour tout le bagage qui est venu, on va arriver dans une situation que le pays a, on va gagner l'anarchie, on va gagner l'affrontement. Et bien, on a toute solidarité avec le commerçant Saint-Marc, le commerçant Nathalie, qui va le camper pour dire que, justement, il faut bagage changer. Et dans cette situation, ça nous oblige pour responsabiliser nous parce que nous avons un gouvernement qui ne peut ni gouverner ni administrer. D'ailleurs, même le gouvernement, ça, il est au courant. Et le complice, chaque soir, qui s'est passé, Pompio a mis le gaz avec machine dans le groupe, pour y aller vendre la journée, à prix élevé, et Pompio ferme la journée. Malgré la gaz. Et pendant que ça fait là, le gouvernement bien content, l'absurde a fait sur ça, parce que vous le dites que soit chez le à 1000 dollars, soit chez Galon à 2000 gouttes, eh bien, vous profitez de votre gouvernement l'associé avec le monde ça y est, qui a fait marcher moi la nuit, à pile camion, à plein de groupes, et puis la journée, c'est comme ça, qui difficilement, quand il veut faire 500 gouttes dans la journée, il est obligé, tout le corps fait à son galon. Même pour même ça, qui n'est pas qu'à résoudre la question de sécurité, dans l'administration d'abord, anarchie dans la salle administrée, au cas où c'est pas qu'à administrer, anarchie également dans la question de sécurité, il n'y a pas qu'à faire. Et qui ça nous est là? Le 15 juillet, où il y a une communauté internationale
qui voulait renouveler l'église, je dis. Renouveler parce que Haïtien, ça ne va pas occuper. Est-ce que je dis à nous compter sur combien de temps? Non. Parce que vous voulez que mes statuts pour moi, je l'y ai, ça va intéresser le peuple haïtien. D'ailleurs, c'est la première fois que ça. Des milliers de monde ont déplacé ce soleil. 2h, 3h du matin. Par contre, notre de communauté nationale. Par contre, notre gouvernement. C'est quand vous monde qui a déplacé. L'ONU reconnaît ça. C'est un mouvement interne de migration. Tu as la violence. Il y a des gens qui disent rien. Vous ne quittez la caille, vous ne pouvez pas aller. Vous sortez des soleils, vous ne pouvez pas le aucun problème. Est-ce que vous avez venu d'Elma? Non. Vous avez venu de Pétionville? Non. Tout le mouvement que ça fait pour le pays, côté que les gens, à cause de violence, a couru, le Premier ministre va aller, international va dire rien. Et ça nous dit au niveau du pays. Nous avons appuyé tout le mouvement pacifique qu'a fait pour retirer le gouvernement de Sahara. Parce que nous ne sommes pas capables. Et c'est peut-être ça, nous annoncer tout l'appui à un mouvement qui a fait Saint-Marc demain, que ce soit grève ou manifestation. Cependant, nous n'avons pas appuyé tout mouvement que la population a fait. Il n'est pas nécessairement que nous lançons vos dons. La population a fait un mouvement, mais n'a pas appuyé la ville pacifique. Et nous avons continué à procéder avec Almio pour nous annoncer d'autres mouvements qui vont accompagner la population. Parce que, à partir de ça, nous dit la population rencontrée, internationale, la FMG, la vie Ariel, la VC renouvelle les vignes, puis on va faire notre rapport, peut-être avec même Mandela Lina, et pour arriver dans une situation, côté le Grand Nord, menacé, bloqué, c'est-à-dire même lui, pour être dans là, depuis sa fête, il va le doubler. Pendant que, malheureusement, la police n'a pas qu'à consolider côté le DGBO, nous avons même dans le temps la Timothée là. Côté que la police est occupée, ils ont retiré le royaume, nous n'avons pas même qu'à consolider le banditisme là pour nous. Ça veut dire que non seulement la élargie en zone métropolitaine, la retourner dans les foyers côté de la légende. Donc le gouvernement est inapte, est capable. Et vous pensez que devant la situation, ça a. En pile peuple dans le monde campé, ils ont mis des dirigeants dans le royaume. Parce qu'il n'y a pas qu'à vivre dans cette situation. Ce n'est pas étranger qui a vivre le quotidien. Ce n'est pas étranger qui a joué. Ce n'est pas étranger qui a dans cette situation. Le peuple a obligé de dire non. Il n'est pas capable de faire peine pour toute solidarité. Là, tout le monde va se faire fait. Et tant d'autres mots d'ordre qui ont fini. Et nous rappeler, appuyons-nous à la manifestation Saint-Marc-là et Guerre-là. Demain, jeudi 14 juillet 2022, que nous soutenons de toute façon. Merci.